هي رياضة معروفة في أغلب المناطق الجبلية بأوروبا. الدراجات الكهربائية وصلت إلى المغرب. مستثمران سويسريان قررا تشييد قرية إيكولوجية تبعد ب 30 كيلومتر عن مراكش قرب دوال القرية بمنطقة غفاي. هذه القرية تقدم أنشطة رياضية تتماشى مع مبادئ الحفاظ على البيئة. Ici, au milieu du désert d'Agafay, près de Marrakech, pour l'inauguration officielle d'une initiative suisse, d'entrepreneurs suisses, qui s'appelle le e-bike village, Fly Me to the Moon, qui est le premier centre de tourisme durable en vélo au milieu du désert, avec des diverses possibilités d'excursion pour quelques heures comme pour quelques jours, pour profiter de cette extraordinaire diversité des paysages autour de Marrakech et en particulier dans le désert d'Agafay. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une région. J'ai eu la chance de venir il y a déjà 3 ans et je suis tombé assez amoureux de la région. Et quand j'ai entendu qu'il y avait des investisseurs suisses qui s'intéressaient à développer quelque chose dans la durabilité, dans l'innovation, j'ai pris tout de suite contact avec eux pour essayer de les aider si c'était besoin. Je les mettre en contact avec les autorités marocaines, régionales et de la commune d'Agafay, qui ont magnifiquement joué le jeu, qui ont aidé ces investisseurs. Et on a aujourd'hui cette inauguration d'un village qui maintenant a déjà quelques mois d'existence. Et donc le succès est déjà présent. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'ils ont impliqué justement les villageois. Et les guides, la nourriture, les réparateurs des vélos, tout ça sont des gens qui sont du village, qui ont été formés et qui sont maintenant impliqués dans l'entreprise. Donc c'est de la durabilité, pas seulement au niveau du tourisme et de l'énergie, mais également au niveau de la population locale qui vit dans un paysage. Bon, malheureusement, la caméra regarde dans la bonne direction par rapport à l'ambassade suisse et au drapeau marocain et suisse. Mais si vous voyez ce paysage du désert d'Agafay avec les montagnes de l'Atlas enneigées, c'est tout simplement c'est poétique, sublime et très puissant. Alors voilà, c'est un peu à l'image de cette inauguration. On a des excellentes relations, des relations qui sont anciennes, qui sont solides et diversifiées. Anciennes parce qu'on a célébré il y a 2 ans le centenaire de la présence diplomatique suisse au Maroc. Donc on a une relation qui a plus qu'un siècle. Et c'est une relation qui est solide. Il n'y a jamais eu de problème majeur, de tension. C'est une relation qui est tournée vers la collaboration, la coopération, l'enrichissement, l'échange. Et elle est diversifiée parce qu'elle touche à l'économie. Bien sûr, quand on parle de Suisse, on parle quand même d'une grande puissance économique, d'un petit pays, mais d'une grande puissance économique. Et puis, quand on parle du Maroc, on parle d'un pays qui a une longue, longue tradition, une longue histoire, qui est le champion des énergies renouvelables. Et donc, ce mariage de la Suisse et du Maroc est très, très profiteur aux uns et aux autres. D'ailleurs, juste pour signaler, on a dépassé l'année passée les 780 millions de francs suisses d'échanges commerciaux. C'est un record absolu. On a signé des accords l'année passée de collaboration politique, de collaboration économique, de collaboration au niveau de l'emploi, au niveau de la formation, formation supérieure, mais aussi formation professionnelle dans les apprentissages. La Suisse est un champion du monde de l'apprentissage. Et donc là, on a beaucoup d'échanges avec toutes les instances nationales et régionales marocaines. Et notamment, si on parle de l'apprentissage, des questions de formation qui sont tellement importantes pour le Maroc et qui font partie des priorités que Sa Majesté a désignées, on a des collaborations avec l'OFPTT. Oui, alors on a 2 belles communautés. On a environ 2000 Suisses qui vivent au Maroc, environ 10 000 Marocains qui vivent en Suisse. Ces 2 communautés qui sont actives. D'ailleurs, ici, ce sont des Suisses qui vivent au Maroc qui sont les initiateurs de ce projet parce qu'ils sont tombés amoureux de Marrakech il y a longtemps. Ils sont tombés amoureux du désert d'Agafay et ils voulaient faire quelque chose ici pour eux-mêmes, bien sûr, mais également pour Marrakech et sa région et Agafay. Et puis, en Suisse, on a des Marocains, beaucoup d'étudiants, notamment des étudiants à l'EPFL. Beaucoup rentrent au pays pour mettre leur savoir au profit des entreprises marocaines. Certains restent également en Suisse et c'est positif. S'ils rentrent, tant mieux, mais le fait qu'ils puissent
rester en Suisse. Ils sont aussi des ambassadeurs du Maroc en Suisse, des ambassadeurs du Maroc et du savoir-faire, de l'intelligence marocaine dans les entreprises suisses. Ils ont très souvent des positions de cadre dans ces entreprises et ils sont des relais également du Maroc. S'il y a des questions qui se posent, et ça s'est vu notamment dans la commission de développement, il y avait deux Marocains qui vivent en Suisse qui étaient membres de cette commission du développement. Et donc, on peut faire appel à eux. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont plus au Maroc qu'ils ont, bien au contraire, quitté le Maroc. Ils y restent très attachés par le cœur, par l'esprit, et ils ont vraiment envie de rendre au Maroc ce que le pays leur a donné, même en étant toujours en Suisse. L'افتتاح كان بحضور السيد سفير السويسري وشخصيات أخرى مهمة، وذلك بتاريخ 2 من مارس 2023. المشروع يهدف إلى التعريف بالمنطقة السياحية أغافاي والاستمتاع بها مع الحفاظ على بيئة سليمة باستعمال الدراجات الكهربائية. Je suis ravi de faire sur un canoun une fondue suisse avec plein d'amis pour l'inauguration de ce village de mountain bike électrique, de vélo de montagne électrique au milieu du désert d'Agafay avec l'Atlas enneigé en arrière-fond. C'est absolument magnifique. Ça fait plus d'une année qu'on est à Marrakech, Victor Hugo, et pour représenter bien sûr la Suisse et pour être à l'aide et à l'écoute des Suisses et Marocains et des citoyens, surtout sur Marrakech et Essaouira. Je m'occupe de Essaouira et Marrakech, la région. Nous, bien sûr, voilà, représenter la Suisse, ou plutôt bien sûr aussi l'ambassade qui est basée à Rabat, pour répondre aux questions des citoyens ou des gens qui soit sont en difficulté, soit qui ont des demandes de visa, de passeport. Notamment, on ne fait pas des passeports, des visas, ça c'est Rabat qui s'en occupe. Et pour bien sûr tous ceux qui ont des démarches administratives, mariage, etc., pour renseigner les gens et être à l'écoute de bien sûr tout le monde. Moi, ça fait 10 ans que je suis là. J'ai bien sûr à côté aussi une entreprise d'informatique et je pense que c'est un pays super agréable pour développer des activités et pour c'est très attractif pour les investisseurs. Il y a beaucoup de niches, beaucoup de secteurs encore à développer et je pense que je suis presque sûr que la mentalité, la culture marocaine est très ouverte. Et ça, c'est très important pour développer un business, surtout voilà, pour la partie administrative, etc. Et ça peut vraiment être qu'une invitation aux investisseurs, bien sûr, aux Suisses, de toute façon, à venir ici investir. Parce qu'il y a vraiment du potentiel. J'étais aussi invité, mais je trouve que c'est un projet très intéressant parce que ça sort un peu du contexte des quads qu'on connaît bien sûr très bien. C'est très écologique. Je viens de connaître aussi Thierry qui est très dynamique et je trouve que c'est quelque chose qui devrait être développé encore plus parce que c'est voilà, pour l'écologie et c'est quelque chose d'innovant. Et quand même high-tech, qui est très intéressant. Je pense que le mix est vraiment fantastique. Et puis voilà, ça fait aussi bouger les gens, c'est du sport, c'est un bon mix. Je trouve que c'est un très très bon projet. Je trouve que c'est une superbe initiative. Il y a plein de choses qui existent dans ce désert d'Agafay. On en voit déjà beaucoup de clients dans cette région. Ils découvrent les dunes, ils apprécient les balades, que ce soit en dromadaire, en buggy, en quad. Mais ils recherchent de plus en plus des activités écologiques. Et là, avec ces VTT électriques, ils vont pouvoir découvrir le désert majestueux que nous avons à proximité de Marrakech, mais dans un mode beaucoup plus durable, équitable, ce que recherchent nos clients aujourd'hui. On a systématiquement, durant les séjours d'une semaine avec nos clients, un passage par Agafay, soit pour une nuit dans le désert, où ils veulent apprécier un peu la vue sur les étoiles la nuit, soit des repas dans des établissements comme la Bohème ou la Pause, et ils combinent toujours ça avec des activités, donc des activités de promenade, parfois à pied, dans les dunes, parfois en chameau, souvent en buggy et en quad,
Et effectivement, le fait d'avoir maintenant cette alternative, c'est une bonne chose parce qu'ils recherchent des activités plus écologiques, plus durables. Et je crois que ça correspond parfaitement. Et je vois que fait par nos amis suisses, c'est aussi extrêmement qualitatif, bien pensé dans chaque détail. Alors oui, nous avons un lien depuis quelques mois, puisqu'en fait, dans notre boutique, nous avons, dans notre pâtisserie, en fait, nous vendons du chocolat suisse. Et on est la première, en fait, premier établissement hôtelier à vendre du chocolat suisse ici sur le territoire marocain. Donc on a noué différents liens avec le consulat à Marrakech et avec l'ambassade également. La Chambre de commerce est un rôle complémentaire à celui de l'ambassade. C'est-à-dire qu'on essaye avec nos membres d'améliorer et d'augmenter les relations commerciales entre les deux pays. On a aujourd'hui environ 200 membres. Toutes les sociétés suisses au Maroc sont membres, une 30 et 40, et principalement des sociétés marocaines. Et notre idée, c'est d'améliorer les relations commerciales par aussi l'amélioration des connaissances des deux pays. C'est-à-dire que les deux pays doivent plus se connaître si on veut encore plus échanger. Alors déjà, il faut qu'ils viennent voir, point 1, parce que beaucoup de gens sont venus, beaucoup de Suisses viennent au Maroc, mais viennent au Maroc pour les vacances. Maintenant, il faut qu'ils s'intéressent aussi à la partie économique du pays. Il faut qu'ils continuent à venir en vacances, c'est toujours bien d'avoir des touristes, mais il faut qu'ils viennent s'intéresser à la partie économique du pays. Et il faut qu'ils viennent voir, parce que la meilleure façon de se rendre compte de la situation, c'est de venir. C'est pas que moi je leur fasse des discours ou que son Excellence l'ambassadeur leur fasse des discours, c'est qu'ils viennent voir. Et s'ils viennent voir, j'ai aucun doute. Bah déjà pour moi, très personnellement, c'est la première fois que je viens dans le désert d'Agafay, donc je suis content. Et en plus, je suis d'autant plus content que Thierry Chardonnant, le propriétaire, vient de la même ville que moi en Suisse. Donc voilà, donc ça me fait plaisir parce que je ne savais pas qu'il y en avait d'autres au Maroc. C'est une petite ville, donc voilà, puis je suis content de venir ici, il a fait l'amitié de nous inviter, donc je lui ai fait l'amitié en retour de venir, parce que c'est une belle activité, je pense que c'est une activité qui a de l'avenir aussi, c'est écologique, c'est de l'électrique, c'est de la puissance humaine, je pense que c'est très bien.